Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui j'avais envie de vlogger, de vous emmener avec moi au cours de cette journée. Tout d'abord, je vais aller faire un tour à Action, donc je me suis dit que ça serait cool de vous emmener avec moi, puisque bon, vous êtes nombreux à me le demander, en plus en commentaire, même si j'aime pas trop vlogger dans les magasins. Voilà, je vais le faire un petit peu. Je vais d'ailleurs voir aussi une copine qui s'appelle Virginie, donc vous la verrez tout à l'heure. Et puis j'ai des colis à aller chercher à la poste, au Mondial Relais, etc. Puis voilà, une journée avec moi en tant que maman à la maison, à s'occuper de son petit loulou. Et là je vais préparer ma fille, puisque je dois l'emmener chez la nounou, puisqu'elle elle va chez la nounou, vu que avant je travaillais, avant d'être en congé maternité. Donc là, mon loulou, il dort juste là. Bon, tu vous verrez quelque chose, hop, là-bas. Et puis, je vais aller m'occuper de ma fille. Puis après, direction chez la nounou, direction chez Action, retrouver ma petite Virginie. Donc, vous allez suivre tout ça avec moi. N'hésitez pas d'ailleurs à liker déjà cette vidéo si vous voulez des vidéos un peu comme ça, une journée avec moi, si vous en voulez d'autres. Sinon, si vous en voulez pas, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas aussi pour me le dire. Et puis, si vous voulez aussi que Virginie ouvre sa chaîne YouTube parce qu'elle aimerait bien le faire, mais elle a du mal à se lancer, n'hésitez pas à la soutenir en commentaire, comme ça, je suis sûre que ça va la motiver. Bon, ma fille, elle en a marre de m'attendre, donc j'y vais. Hey, voilà, ma fille a été déposée maintenant, direction Action. D'ailleurs, aujourd'hui, on a de la chance. Pour l'instant, il fait un super beau temps. Il doit faire déjà 17 degrés alors qu'il est 9h30. Je précise que j'habite en région parisienne et nous, dans le sud de la France. Donc, c'est bon signe, mais la nounou vient de me dire que peut-être il allait pleuvoir. On verra. À tout à l'heure. Hey, me voici arrivé enfin à Action. Et d'ailleurs le parking il est déjà rempli, c'est assez hallucinant alors qu'il est que 10h. Donc c'est l'ouverture et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a du monde déjà qui est déjà arrivé. Et d'ailleurs la dernière fois dans ma dernière vidéo à Action, je vous avais dit que je préparais ma petite liste. Donc en fait je fais toujours une petite liste sur mon téléphone. Elle est là et je vais la checker pour pouvoir savoir exactement ce que je dois prendre, même si souvent je trouve pas ce que je veux. Aïe, je suis avec Virginie, comme je vous disais, soutenez-la si vous voulez qu'elle ouvre sa chaîne parce qu'elle est en train d'essayer. Elle a du mal avec sa caméra, etc. Tout ça, mais elle va trouver, hein. Elle va y arriver. Oui. Donc mettez des pouces en l'air et dites-lui en commentaire, ça serait cool, comme ça elle va lire tout ça elle aussi. Ouais. Donc direction maintenant. Action! Là vous avez vu comme elle est toute belle, toute fraîche et tout. D'ailleurs elle sort du coiffeur, elle y va tous les jours elle, hein, au coiffeur. Non c'est pas vrai. Non mais tu vas toutes les semaines. Elle change toujours de couleur de cheveux, là j'ai même pas reconnu sur le parking. Tous les mois c'est ma crise. Non mais là je vais faire je me suis dit tiens, il y a deux jours je l'ai vue. Non, elle était rouge. Elle était au burn là. Ouais, rouge, violet, toutes les couleurs. Et hein, maintenant elle est à la moitié blonde. Mais c'est joli en tout cas. Mais c'est quelle couleur d'ailleurs ça? Bah écoute, entre le roux et le blond. Ouais cendré, mais c'est mes restes de rouge qui... C'est fait joli. Ouais. Voilà. Bah moi aussi, il faudrait que j'aille au coiffeur, je sais. Un jour. Bon, ça va. Bon, allez, direction Action. Virginie, qu'est-ce qu'on aimerait? Et là, il y en a plein. Elles sont à combien d'ailleurs? 82 centimes. Ouais. Ah oui, elles étaient pas chères, je m'en rappelais pas. Moi j'hésitais à la prendre cette petite cloche. Nous sommes sortis d'Action. Bon là c'est mes courses, elle les a déjà rangées. J'ai acheté moins. Ouais, j'ai trop acheté de conneries, faut que je vous montre ça tout à l'heure. Ça. Ça beaucoup de scrap, il y a des cadeaux pour la nounou de ma fille, donc voilà. Allez, maintenant, après, on va aller. Vous avez vu derrière là, derrière Virginie, il y a ce centre accord. Donc Virginie, elle veut y aller. C'est pas bon pour ma carte bleue, mais bon, on va la suivre. Hein. C'est le mal. C'est le mal, Virginie. Ah bah oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Donc avec Virginie, on est parti à centre accord et il y a des trucs trop mignons, regardez. Mais c'est trop cher aussi, c'est mon plaisir. Enfin bon, il y a des trucs pas chers, il y a des trucs chers. Mais là, celles qui sont fans des cactus et des ananas, il y a tout pour la déco. Ah, des papillons. Toi aussi, t'es fan des papillons, d'après ce que je vois. Hein. Donc, Virginie, elle est venue chercher la déco pour l'anniversaire de sa fille qui est. 25 mai. 25 mai. Attends, fais voir. Ah, ouais, pour les fans de flamant rose, là. Il y a tout. C'est un petit cactus
petit là. Ah mais bon, 4 euros, 3 euros, 4 euros. Je te dis pas là, ta déco va coûter cher. Ah, je vais prendre un truc basique. Hein, et tu rajoutes une petite touche, c'est ça? Voilà, juste une petite touche. Parce que j'avais acheté à Action il y a un petit moment de ça, des guirlandes, des fanions. Ah oui. Oh là, il y a tout à faire ça, les économies. Hey, de retour à la maison avec mon petit bouchon qui vient de manger parce que le pauvre il avait faim. Oh mon lolo. Et du coup j'ai récupéré 5 colis chez mon gardien et j'en ai d'autres à aller chercher à la poste et comme je vous ai dit ce matin au Mondial Relais, donc je vais y aller tout à l'heure. Mais avec mes courses et tout, je vais vous montrer ça après, mais c'est chaud. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et mais je vais vous montrer après quelques contenus de colis. Je vais en déballer certains, pas tous, parce que sinon ça va durer 20 ans. Mais j'ai une boîte aux lettres hyper remplie aujourd'hui. Ça tombait bien. Et je reviens. J'étais partie chercher les derniers colis qui étaient dans ma voiture. Donc voilà les 5 premiers colis. Et comme je vous ai dit, il m'en manque 3 que je vais aller chercher tout à l'heure. Mais c'est juste dingue. Je pense que certains, je vais vous les ouvrir là. Et comme je vous disais aussi, il y en a d'autres que je vais ouvrir dans une vidéo boîte aux lettres. Que je vous mets en petit i quelque part sur la vidéo. Et je voulais vous montrer ma petite Virginie ce matin. Elle m'a ramené... Bah alors loulou. Elle m'a ramené son Cookéo. En fait, elle me le donne pas. Hein, mais elle me le prête pour que je teste un petit peu. Parce que en ce moment, elle s'en sert pas. Et c'est juste trop sympa de sa part. Du coup, je vais pouvoir le tester et savoir si je veux vraiment l'acheter. Je vous en avais parlé dans un article wishlist. Si vous voulez aller le voir, je vous le mets en barre d'infos. Mais du coup, j'avais mis dans ma wishlist que je voulais me le prendre. Donc c'est cool. Merci Virginie. Et elle avait trouvé ça à Primark. Alors ça, il y en a beaucoup qui le recherchent sur Instagram, etc. Elle l'a trouvé donc à 5 euros à Primark. C'est vrai que c'est une bonne affaire. Moi, je suis pas fan de Disney, mais j'avoue que quand même, c'est super craquant. Et du coup, celle-ci, c'est pour Lily de la chaîne Passion de Lily. Donc, je lui ai racheté à Virginie pour l'offrir à Lily de Passion de Lily. Je sais pas si je suis très claire. Donc voilà, et alors Virginie qui est trop un amour, elle sait que je suis fan des cuillères en céramique comme ça. Du coup elle m'en a commandé plein sur Amazon, je savais même pas qu'on pouvait les trouver sur Amazon, donc elle est trop chou. Et voilà, je suis hyper fan pour manger mes yaourts, j'adore. Bon, je suis peut-être bizarre mais j'adore, donc merci Virginie encore. Et puis je vois qu'elle a mis encore un autre truc qu'elle a trouvé chez Nose, je pense, des papiers, donc voilà, c'est super cool, merci. Je les ai pas ceux-là en plus, donc top. Et j'avoue qu'elle est quand même super craquante, hein. Je crois que c'est la tasse, enfin c'est Zip, je crois, si je me trompe pas, de La Belle et la Bête, mais trop craquante. Vous allez craquer vous aussi, je sens dans les commentaires à me dire, elle est trop belle. J'avoue. Je viens de finir de manger parce que bah du coup il est 13h déjà, 13h30 et j'avais pas eu le temps de manger. Là je pense que je vais me faire un petit thé avant de vous faire des vidéos boîte aux lettres puisque j'ai envie de trop ouvrir tout ça. Donc en ce moment j'utilise comme thé ce thé là, il est presque fini, il en reste plus beaucoup, vous voyez sur la boîte il doit me rester un peu moins de la moitié. Donc c'est les Love Organic, moi je les adore ceux là, je les avais reçus il y a quelques temps maintenant. Et là, j'ai reçu leur nouveauté aussi. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous si ça vous intéresse. Toujours de la marque Love Organic, c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup. Et là, c'est les nouveaux parfums. Du coup, il y en a 24 à l'intérieur. C'est des sachets bio. Et alors, on a quoi comme petit thé? Le Love is Zen, Love is Good, Love is Lovely Night et Run for Love. Alors du coup, c'est quoi? Un eau de fruits agrumes, rooibos amande, rooibos citronnelle, cassis, rooibos vert ananas... Fruits baies sauvages. Ah oui, il y en a deux, c'est des eaux de fruits exotiques et des eaux de baies sauvages. Du coup, c'est des eaux que vous pouvez faire en fait en chaud, enfin des thés que vous pouvez faire chaud ou froid, des infusions, pardon. Et les deux derniers, fenouil anis, peut-être moins sympa, et tilleul rose, moins sympa. Mais en tout cas, c'est des thés que j'aime beaucoup, enfin c'est des infusions que j'aime beaucoup utiliser. Donc je suis ravie d'avoir une nouvelle boîte. Donc là, je vais me faire mon petit thé et... rendez-vous dans les boîtes aux lettres, dans les vidéos boîtes aux lettres. Et il y a un colis d'une abonnée qui est juste dingue. Et pareil, je vous mettrai ça dans une autre vidéo parce que sinon ça va durer 10 ans. Je vais juste vous montrer un tout petit peu mes achats Action. Enfin, je vais pas vous montrer tout, je vais faire une vidéo aussi, mais juste vous montrer les sacs.
Donc voilà mes petits achats Action, sachant que dans le petit sac, ce sont des choses pour offrir à la nounou de ma fille, comme je vous ai dit. Et là, ça c'est pour moi. Ça, j'ai acheté ça à Centre Accord, c'est pour ma classe en fait, même si je suis plus dans ma classe en ce moment, puisque je suis en congé maternité. Ma remplaçante avait besoin de pelotes de laine pour faire des pompons avec mes élèves. Donc je les ai achetés avec le budget de la classe. Donc voilà. À Action, j'ai fait des petites trouvailles et j'ai trouvé ça et je viens de goûter. C'est juste trop bon. C'est aux peanuts. Ça a vraiment le goût de beurre de cacahuète. Et j'ai trouvé ça. C'est plutôt pas mal. C'est une sorte de caramel, vanille, banane. C'est plutôt cool. Donc après la poster, il fallait bien la petite pause gourmandise. Fallait que je goûte. Et j'ai reçu ça au fait il n'y a pas très longtemps. Je voulais vous en parler aussi en vidéo. C'est une nouvelle bougie de chez Nocibé, la Viva Cuba, qui sent trop bon là quand j'ai reçu le colis. Ça sentait partout dans le colis, c'était impressionnant. Je vous remettrai exactement peut-être les notes. Ils disent quoi dessous? 130 grammes, fleur de mariposa, vanille. Mais ça sent divinement bon l'été. D'ailleurs, il y a aussi la gamme de chez Nocibé, Viva Cuba, avec le gel douche, etc. Vraiment qui... Enfin, je savais pas du tout l'odeur, mais là, quand je sens la bougie, je me dis que la gamme, elle doit être vraiment divine aussi. Hyper agréable pour le se laver l'été, etc. C'est, je sais pas, c'est un peu frais, en même temps légèrement fruité, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je voulais vous en parler, et là vous avez vu, il y a mon petit plani minceur. Je vais vous le montrer un petit peu mieux, mais comme je vous ai mis sur Facebook, je suis en train de refaire un petit rééquilibrage alimentaire. Du coup j'écris mon alimentation et le petit plani minceur de Anna Ostry. Et ben, je vous le fais gagner sur les réseaux, sur Instagram et Facebook, donc je vous invite à aller me rejoindre. Et voilà, je le trouve vraiment plutôt pas mal, là je viens de le commencer, mais il y a des petites recettes et tout ici, enfin il est vraiment cool. Du coup de retour avec ma fille qui est là, je suis allée à la poste chercher mon petit colis, c'est une box, donc je vous l'ouvrirai dans une autre vidéo. Et il y a deux petits colis, en fait c'est une commande de photo web, je vous montrerai après quand j'aurai les mains libres. Et une commande photo web avec des petites choses que j'ai commandées en cadeau. Il y a les faire part aussi de naissance qui doivent arriver. D'ailleurs j'avais un super code promo de moins 70% sur ce site. Je vous mets un lien de parrainage si ça vous dit. Vous gagnez 10€ sur votre commande photo web. Et moi bah, j'ai fait une grosse commande de 100€, mais j'ai eu 70€ de réduction, donc ça valait vraiment le coup. Je vous montrerai juste la petite chose que j'ai reçue, puisqu'il manque des choses. Donc il y a sûrement un colis qui va arriver après. Je sais pas pourquoi ils envoient ça dans 10 colis, c'est n'importe quoi. Bref, donc voilà, je pense que je vais clôturer là ce petit vlog journée. Vous m'avez suivi un petit peu, c'était pas une journée de fou non plus, mais quand même c'était sympa. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une future vidéo. Salut. Aussi ce que j'ai commandé sur le site photo web, j'ai fait plusieurs commandes avec, je vous avais dit, les faire part des tasses, etc. Et voici le résultat d'une tasse. Le design c'est fait pour la fête des mamans, donc c'est trop mignon. Et derrière j'ai mis une photo de mes enfants. Enfin, voilà, la qualité est plutôt pas mal. D'ailleurs vous avez un sur iGraal, vous pouvez aussi commander, enfin via photo web, vous avez des pourcentages que vous récupérez sur iGraal. Donc je vous mets aussi mon parrainage iGraal si ça vous intéresse. Et si vous inscrivez, et ben vous obtenez 5€, je crois, ou même plus, directement sur votre iGraal. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi j'ai utilisé iGraal pour ma commande photo web, pour les 3/4 de mes commandes sur internet, même si j'en fais pas beaucoup, j'utilise toujours iGraal.